Eh bien, salut à toutes et tous, content de vous retrouver pour une nouvelle interview Metanimates. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir deux personnes, pas totalement inconnues. Du moins, un des deux n'est pas du tout inconnu, on s'est déjà croisés, je crois. Et du coup, on va les recevoir pour leur side project Yarods. Donc, je vais les laisser se présenter et puis nous parler de la création de ce groupe. Bah, salut John, salut les auditeurs de Metal in Veins. Bah, moi, Fabien, je suis guitariste-chanteur du groupe Yarods. C'est comme ça qu'on m'appelle. Je fais la basse et puis un peu de vocal aussi avec Yarods. Voilà, et on est un trio et donc il n'a pas pu être présent, mais Enzo Lepedi, c'est le batteur. Voilà. Ok, donc un trio. Est-ce que vous pourriez nous dire depuis quand a été créé Yarods? Et je crois qu'il y a eu même un changement de nom au travers de cette histoire. Donc depuis quand a été créé Yarods exactement? Alors depuis 2019, ce groupe est né après le split de Junon, parce qu'on jouait également dans Generali, pardon, excuse-moi. Donc après la fin de Generali, on a fait une pause, on s'est tous un peu séparés. Et puis moi j'ai recréé un groupe qui s'appelait The Third Eye. Et puis voilà, donc ça c'est en 2019 que ce groupe s'est formé. C'était déjà à la base un trio, c'est resté un trio. Vincent nous a rejoint fin 2019, début 2020, pardon. Et puis voilà, donc c'était The Third Eye et on a changé de nom en cours parce que la musique a évolué. Le nom aussi ne nous permettait pas aussi d'avoir une bonne couverture par les internets, comme on dit. C'était un nom, c'est simple, en gros, hein, tu tapais The Third Eye sur un truc sur YouTube et en fait, tu avais des pages de yoga. Donc on s'est dit, c'est pas possible. Pour un groupe émergent, le but, c'est quand même essayer de se faire connaître un maximum. Et musicalement, ça a commencé à évoluer aussi vers quelque chose de différent. On s'est dit, on en profite, on change de nom. En plus, en cours, Enzo est arrivé en début 2020. Bon, il y a eu du turnover. C'est quand les groupes se forment au début. Et puis, on s'est dit, on change. Comme ça, on démarre sur quelque chose de des bases nouvelles. Alors, tu nous dis que la musique a évolué. Aujourd'hui, Yarods, vous le classeriez dans quel style musical? Alors, c'est difficile à classer, je pense. Moi, en plus, les étiquettes, c'est un truc qui me commence un peu à se faire. Je sais, c'est pour ça que je te demande. Parce que ça t'emmerde, justement. C'est pour ça que je te pose la question. C'est un truc où on se lâche, on met tout ce qu'on a envie de mettre. Et voilà, c'est pas... clairement, il y a du punk hardcore. Clairement, il y a du métal, on va dire, extrême. Clairement, on aime bien apporter une petite touche post-metal parce qu'en fait, c'est clairement toutes nos influences et on n'a pas de clé. On se dit, faut qu'on reste dans cette petite branche musicale. On essaie de faire juste ce qu'on aime et puis d'y mêler tous nos univers. Voilà. Encore une fois, donc chaque musicien apporte son univers et vous travaillez en corrélation pour sortir donc ce groupe Yarods. Donc, c'est bien le premier album. C'est le premier album. Premier album. Est-ce que vous pourriez me dire pourquoi vous l'avez... Alors moi, le nom de l'album... je vais te laisser le prononcer parce que je ne suis pas capable de le prononcer convenablement. J'ai pas envie de faire une connerie. Donc, est-ce qu'on pourrait savoir d'où vient le nom de l'album et pour quelle raison? Le nom de l'album, c'était Erini, tout simplement. D'accord. Donc, je ne m'étais pas trompé. C'est les Erini. Alors, qu'est-ce que sont les Erini? Les Erini, ce sont des déesses vengeresses dans la mythologie grecque, d'accord? Dans la mythologie romaine, c'était les Furies. Et en gros, c'est des déesses qui, une fois que la personne était morte, passaient l'éternité à les persécuter. Par rapport à... bien sûr, s'ils ont fait des choses de mal, hein. C'est pas des déesses qui existaient pour persécuter tout le monde. C'était... Donc c'est ça, les Erini, ce sont des déesses vengeresses dans la mythologie grecque. Alors pourquoi avoir nommé cet album avec ce nom-là justement? Il y avait un message particulier? Il y a un...
En fait, dans nos textes, bon, on n'a pas, on, c'est pas un album conceptuel, c'est-à-dire que c'est pas un album, on s'est dit, bon, on va traiter que de ça. Mais il y a un sujet assez récurrent, pas un sujet récurrent, une espèce de répulsion de notre société, de certains faits de notre société, qu'on a voulu mettre en musique et à travers nos textes. Bon. Il y a certains constats qu'on a faits, oui. Ouais, voilà. D'accord. Donc toujours c'est toujours un reflet de la société actuelle, du moins de ce dont vous avez été spectateur. Ben oui. En fait, dans les textes, c'est clairement, par exemple, bon, je vais reprendre le titre, le premier titre qui s'appelle Impunity. Moi, je tombe à la radio sur un truc sur Gabriel Matzneff, qui est un ancien grand lettré écrivain français, et qui, bon, voilà, t'apprends que le mec. Il a été pédophile pendant 50 ans, tout le monde le savait, et on ne pouvait rien dire parce que c'était un grand littéraire. Et en fait, ce genre de truc, tu vois, bah dans ta vie de tous les jours, il y en a qui vont aller faire de la boxe, tu vois, ils vont entendre ça dans la bagnole, putain, enculé, tu vois, t'as... Et bah nous, c'est avec la musique, quoi. Quand on entend un truc comme ça, putain, ça te fout les boules, et quand tu composes, et comme on ne fait pas non plus une musique qui a tendance... c'est pas des balades, quoi. Donc... Et voilà, on a envie d'extérioriser ça, c'est notre manière aussi d'extérioriser, et du coup, ce monsieur a eu droit à un texte, donc voilà. Et... D'ailleurs, le titre est assez parlant, Impunité, c'est bien de l'appeler comme ça, parce que, est-ce que tu... Je vais vous poser une question, on va dévier un peu de la musique en général. Est-ce que vous trouvez normal que certaines personnes, justement, puissent passer à travers les mailles du filet grâce à leur position sociale ? Que ce soit leur rang au milieu de la société professionnelle ou même politique, etc. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Après, c'est une forme de corruption pour nous, on ressent comme ça. Pourquoi des personnes auraient le droit de passer à travers, on va dire, les mailles du filet, alors que toi, t'es comme un con. Des fois, pour des conneries, tu te fais emmerder. Donc c'est justement tout l'intérêt là, en fait. C'est de souligner ces points-là et ça nous permet nous vraiment de nous galvaniser en fait à travers l'agressivité qu'on peut transmettre dans notre musique et puis c'est hyper important en fait. On a besoin de le dire, de dénoncer ça. Ouais, c'est un vrai besoin, ouais. comme tu peux parfois t'emporter dans des discussions entre amis, voilà, c'est le mode opératoire pour nous. Non, mais très bien, parce que malheureusement aujourd'hui c'est assez courant de voir des gens qui ont un peu pour certains, juste un tout petit peu une position sociale un petit peu plus élevée que les autres et qui se permettent énormément de choses. Et du coup, de par le fait, il y a énormément de personnes qui évitent de parler de ces gens-là pour éviter d'avoir des problèmes parce qu'ils en ont peur. Et je trouve ça plutôt intéressant qu'un groupe comme vous, vous vous positionnez par rapport à ça et que vous le mettiez en avant en écrivant un texte là-dessus. Parce que ça a été quand même très controversé, cette histoire-là. Il y a eu beaucoup. Quand il a été balancé, ça a fait un foin de tous les diables. Il y en a beaucoup qui se sont rétractés, il y en a qui n'ont pas osé parler, il y en a qui sont partis à droite, d'autres à gauche. Et donc de saisir un sujet comme celui-ci à bras-le-corps et le mettre en texte, je trouve ça très très bien. C'est pour ça que je vous demandais ça. Est-ce que c'était important pour vous, quelque part, c'est un échappatoire, vous avez besoin de le poser sur le papier pour pouvoir en parler librement? Ouais. Est-ce que vous pensez, en tant que musicien, voilà, je vais parler au travers de vos différentes carrières, parce qu'on va parler d'Yarotz un peu plus en détail après, mais est-ce que vous pensez qu'il est normal qu'un musicien dénonce ce genre de choses? Pour vous, est-ce que ça vous paraît légitime? Et quelque part, est-ce que vous trouvez à travers votre musique qu'il y a une sorte de liberté qui vous permet de le faire? Bah, exactement. En fait, en faisant de la musique, on prend une parole. Et une parole qui peut être entendue. Et ça, je pense que c'est pareil dans tous les milieux artistiques, les comédiens, tout ça. On a une parole. Et après, on souhaite qu'elle soit entendue. Je veux dire, si on fait ressortir ça en nous, de nous, c'est aussi pour... on espère, on se dit, peut-être quelqu'un va écouter ça et puis va dire, ah ouais, mais putain, il a raison, et puis tu vois ce que je veux dire. Et c'est effectivement, c'est une liberté, et il faut s'en saisir de cette liberté. Parce que si on ne peut plus faire ça, c'est-à-dire si on ne peut plus aujourd'hui
mettre un peu ce que tu as dans ton cœur sur de la musique, même si ça peut être engagé dans certains points de vue, on serait dans une dictature totale, quoi. Et faut pouvoir profiter de ça, quoi. Faut pouvoir profiter de pouvoir s'exprimer, quoi, clairement. C'est clairement d'actualité, en fait. Moi, je me mets à la place des groupes russes, on en a côtoyé certains. Bien sûr. Je pense que les mecs, ils y réfléchissent à deux fois avant de poster des textes, quoi. En ce moment, c'est un peu compliqué pour eux. Parce qu'ils sont du mauvais côté de la barrière, alors que nous aussi, on en connaît des groupes russes qui sont vraiment des gens, mais adorables et qui n'ont aucun rapport particulier avec ce qui se passe là-bas, loin de là, et qui même le dénoncent totalement. Mais malheureusement, eux, par contre, la liberté, tu l'oublies, hein, parce que s'ils dénoncent de trop, je pense qu'on les verra pas sur scène. Il y a de grandes probabilités pour qu'ils disparaissent. C'est pareil, hein. On pense au groupe ukrainien qui devait faire des tournées, on va parler de White Ward, qui devait tourner avec Demande à la poussière, la tournée a été annulée, ou reportée du moins pour le moment. Mais on se met à la place de tous ces gens-là, c'est malheureux d'en arriver là, mais ouais, c'est très compliqué. Et je pense que beaucoup de personnes ne mesurent pas la chance que l'on a de pouvoir s'exprimer comme on peut le faire à travers de notre musique en France. Parce qu'il y a énormément de pays où c'est bridé. Ah, mais complètement. Et il faut la saisir, profiter, quoi. En profiter. Tout à fait. Alors après, qu'on soit bien d'accord, je l'ai toujours dit sur Metanimates, on ne parle pas de politique. Et là, je ne parle pas d'engagement politique. Hein. Je parle simplement d'engagement tout court. Là, c'est humanitaire par rapport à la Russie et l'Ukraine. Et tout à l'heure, tu parlais de ce mec-là, qui est juste un déchet pour moi. Là, il n'y a pas de politique non plus. C'est juste un constat. Et ce gars-là, il aurait dû être puni bien en amont. Et comme tu l'as dit, il y a énormément de gens qui l'ont entendu, mais qui n'ont rien fait, ce que je trouve totalement déplorable. Mais ça... Mais ça, c'est autre chose. C'est toi qui as écrit tous les textes pour Yarods ou vous travaillez à trois sur les textes? Alors, sur les textes, on travaille à deux, avec Vincent. Est-ce que en général, vous tombez d'accord ou des fois, il y a quand même des moments où vous dites, il y en a un qui arrive avec une idée, l'autre qui dit, ah, moi, j'aurais pu se parler de ça. Et puis, au bout du compte, il faut faire un choix où là, vous avez réussi à travers vos 9 titres, parce que c'est ça, c'est 9 titres. Mm-hmm. Vous avez réussi à parler de tout ce dont vous vouliez dans cet album. Tout peut-être pas, mais bon, après avec Fabien, ça fait je sais pas, 20 ans qu'on se connaît. C'est pas un hasard, quoi, si on se côtoie toujours maintenant. Donc on est vraiment très amis, on partage beaucoup de centres d'intérêt, d'opinions. L'écriture, c'est vraiment naturel. Je pense qu'il n'y a pas... Il n'y a pas une chose que tu as écrite, par exemple, qui m'ont choqué ou sur lesquelles j'étais pas d'accord en soi, quoi. Ou alors on rectifie vraiment vite fait certains mots, peut-être qui n'ont pas le même impact sur lui ou sur moi. Mais globalement, on est à 90% d'accord sur tout le sens qu'on a envie de donner, quoi. Ouais, et c'est pas difficile d'écrire à deux. Alors, on écrit pas à deux au sens où on écrit à deux en même temps, tu vois. D'accord. C'est moi qui ai eu une idée d'un sujet. Vincent, il se débrouille vachement. Je trouve qu'il se débrouille mieux que moi dans l'écriture. Pour développer. Ce serait cool qu'on travaille sur ce sujet-là parce que voilà quoi. Ah, lui, par exemple pour Masnef, c'était un peu ça. T'as entendu cette histoire? Ah ouais. Putain, faudrait qu'on écrive un texte là-dessus. Ah ouais, carrément. Tu vois, parce que en fait, on n'a pas le moment où on se pose à deux, on écrit à deux en même temps. Là, je pense que ce serait plus compliqué parce que là, tu confrontes vraiment ta façon de travailler tout ça. Et on travaille plus en collaboration que... Après, on fait certains ajustements par rapport à la musique, hein, parce qu'à un moment donné, faut que ça colle avec les riffs, avec la structure. Et si je propose un texte à Fabien puis qu'il a besoin de plus de paroles ou moins ou vraiment appuyer par exemple le sens d'un texte sur un refrain ou ce type de choses, là il me demande et puis j'ajuste les paroles, j'ajuste les textes. Et en ce qui concerne la musique, vous travaillez aussi à deux ou il y en a quand même un qui est plus qui s'occupe plus de la création musicale au sens littéral du terme?
Bah, très souvent, ça vient des riffs de guitare, en fait. Très souvent, ça part des riffs de guitare. Mais après, c'est un travail en commun, au sens où on fait évoluer ses riffs et puis on apporte des nouveaux riffs, des nouvelles idées. Donc voilà, puis à trois, c'est assez facile. Je veux dire, on est en trio. Ça va assez vite pour trouver un accord ensemble pour ce qu'on veut faire, quoi. Mais la musique, c'est plutôt... On part de la guitare pour ensuite développer la musique. Les riffs tombent avant les textes ou c'est le contraire? Vous avez d'abord les textes et après vous positionnez des riffs dessus? Non, c'est plutôt les riffs d'abord, ensuite viennent les textes. Ok. Et en fait, en fonction de l'émotion qu'on va ressentir dans le titre, souvent on se dit, bah, carrément ce sujet-là, ça collerait trop parce que voilà, le titre est vachement violent et on a aussi des morceaux qui sont vraiment moins violents dans cet album et du coup, bah, il y a une autre sensibilité, ça fait appel parce que bah, clairement la musique, ça fait ressortir des émotions et ces émotions, bah, tu peux les corréler avec des différents faits ou différentes histoires. Et du coup, c'est comme ça, c'est plutôt comme ça qu'on démarche. Vous a fallu donc 2019 création d'Yarotz. Vous avez bossé combien de temps sur cet album avant de l'enregistrer en fait? Et où est-ce que vous l'avez enregistré? On a bossé longtemps. Hein. On a fait. Ben, il a passé le confinement déjà. Donc oui. Ça veut dire que sur cette période-là, on a énormément travaillé dessus, comme beaucoup de groupes, je suppose. Mais ça nous a vraiment permis de bah, d'enrichir à fond bah, les morceaux et puis chapeauter plein d'idées quoi. Après vraiment matériellement on a fait des sessions de pré-production, on a fait pas mal de répètes, on a posé vraiment le truc à plat plusieurs fois et puis après bah, on est parti enregistrer. Et là, Fabien, je pense que tu peux expliquer un peu plus ça. Ouais, bah, on a enregistré ça avec donc on a fait différentes pré-prod hein. Une avec David Bodvin dans son studio près d'Angers. On avait maquetté aussi avec Cyril Gachet, d'accord, qui a enregistré aussi des groupes comme Your Light ou Fange. Et du coup, on a enregistré avec lui début 2021. Début 2021, on a enregistré avec lui. On a tout fait ça. Alors, Cyril a un fonctionnement particulier au sens où c'est un ingé mobile, tu vois, qui vient avec tout son matos. Et là, on a enregistré ça au Pôle Sud, qui est une structure d'accompagnement musical, de locaux de répétition et d'enregistrement pas très loin de chez moi, dans le sud-ouest. Donc, voilà, et puis après, on a mixé ça ensemble avec Cyril aussi. Et en mars, c'est parti au mastering, mars 2021, c'est parti au mastering chez Alan Douchies de Wet Wet Side Studio. Et pourquoi avoir choisi ces personnes pour travailler avec eux? Vous les connaissiez d'avant? Alors, Cyril Gachet, non, on ne le connaissait pas d'avant. C'est un mec, en plus, on a eu l'occasion de croiser en date, parce qu'on avait déjà fait des dates avec Year of No Light, et c'est lui qui était le sondier de Year of No Light. Et puis, non, en fait, en 2019, en fait, on a intégré une structure d'accompagnement du département des Landes. On a gagné un tremplin et puis voilà. Donc, du coup, on a été suivi en groupe pendant toute cette période-là, jusque dernièrement, parce que ça se terminait là. Et ils nous ont accompagnés sur tout l'album. Et en fait, Cyril avait déjà bossé avec eux sur certains trucs, parce que comme Cyril est originaire également du Sud-Ouest, voilà. Et puis c'est eux qui nous l'avaient proposé. Et puis on avait envie aussi d'essayer autre chose, moi et Vincent, parce que on a eu pas mal d'expériences assez similaires dans les recs. Et puis Cyril, moi j'ai fait deux pré-prod avec lui. Et puis ouais, il y a un feeling qui s'est produit. Il s'est passé un truc avec lui. Il faut que ça marche. Hein. Je pense que c'est important qu'il y ait une bonne relation humaine. Bien sûr. Avec le mec que t'enregistres. Mmh. Et surtout, quand t'es avec lui, lui, il a pu voir le projet évoluer du début jusque l'album et au-delà. Donc,
Et puis voilà, ça s'est super bien passé. Puis bon, Cyril, il a vraiment une approche vraiment ultra intéressante, quoi. C'est un peu de l'approche Albini, c'est vraiment de la bidouille du son. Et puis tu sais, de retranscrire ce que le groupe a envie de. C'est ça. Pas partir avec une idée, oui, ben, je veux que ça sonne comme ça. Tout le monde veut que ça sonne bien, ça c'est une évidence. Mais c'est important aussi d'avoir ta propre personnalité en termes de son. Et je pense que là-dessus, on a réussi à aboutir quelque chose. Mais lui, il est très content du résultat. Donc, voilà. Et vous en êtes content? Parce que lui soit content, c'est bien. Mais le plus important, ça reste le groupe. Parce que c'est quand même votre produit. Au bout du compte, c'est votre création. Et il faut que le groupe soit content de ce qu'il arrive à proposer au public. Ah non, mais ça fait... Mais personnellement, je suis très, très, très content. C'est une des meilleures prods que j'ai pu faire. Ah oui, quand même. Pas fort, là. Après, c'est la clé, hein. C'est ça. C'est qu'on a vraiment collaboré avec lui. Donc, on a pris des décisions ensemble. Il s'est toujours adapté, en fait, à ce qu'on voulait faire. Et puis toujours à proposer des idées, il nous a jamais imposé des choses. Donc c'est là où c'est hyper intéressant, parce qu'on a découvert des techniques, des méthodes qu'on n'avait pas forcément coutume d'employer. Et puis voilà, il nous a offert un panel de possibilités génial, quoi. Et c'est pour ça que ça marche, parce que lui, il était content de le faire, content de le proposer. Et nous, on était hyper agréablement surpris de pouvoir faire autre chose tout simplement. On avait l'habitude de faire. On va parler de l'artwork. Qui peut nous en parler un peu plus de l'artwork? Qui est-ce qui a créé cet artwork? Pour quelle raison cette représentation particulièrement? Et toujours du noir et blanc, c'est vrai que c'est quelque chose qui se fait de plus en plus. On est encore sur des nuances, des tons noirs, blancs, gris, Vous verrez, de toute façon, je vais le mettre à l'écran pour que le public puisse, enfin les auditeurs et les auditrices puissent le voir. Donc qui est-ce qui peut nous en parler de cet artwork? Cet artwork a été réalisé par créatrice japonaise qui s'appelle Yuki Watanabe. En fait, tout ce qui est le design du groupe, des visuels du groupe, en gros, c'est travaillé par Eloy Kazelias, celui qui a aussi réalisé nos deux clips. C'est un mec, c'est un pote à la base que je connais depuis 20 ans, pareil que comme Perlin, ça fait 20 ans que je le connais, c'est vraiment un pote. Et donc, du coup, il nous a suivis sur ce projet-là. Et lui, en fait, il connaissait cette dessinatrice japonaise, et en fait on réfléchissait justement sur qu'est-ce qu'on veut faire comme cover. C'est une étape assez difficile quand même, parce que bien sûr, tu pars dans un autre univers, tu es enfermé dans ta musique, et à un moment il faut envisager quand même quelque chose qui est visuel. Et là on a buté un peu, et puis il dit Yuki, elle m'a envoyé des dessins comme ça, qu'est-ce que t'en penses? Et en fait c'est son type de dessin, moi j'ai tout de suite accroché. C'est vrai que c'est super joli. Hein. C'est à la fois dark, ouais. Et en même temps, c'est sombre, mais je trouve que c'est poétique, en fait. Et c'est peut-être aussi cette sensibilité culturelle qui est vraiment différente là-bas. Et donc on a vachement bien accroché avec elle. On a travaillé là-dessus pendant pas mal de temps, parce que ça a pris pas mal de temps à mettre en place. Et puis voilà, on est super content du résultat. Elle est super contente aussi du résultat. Voilà, et puis j'espère qu'on montrera, parce qu'elle n'a pas fait énormément, elle dessine un peu toute seule dans son coin, tu vois, à la base c'est une chanteuse dans un groupe de post-rock. D'accord. Chanteuse guitare dans un groupe de post-rock, et tu vois, elle fait ça à côté, quoi. Et puis voilà, ça, le groupe c'est Presence of Soul, et... On met un lien en dessous. Ouais, et c'est super cool, parce que elle aussi, du coup, tu vois, ça lui permet de... Tu sais, c'est important d'avoir des points de vue extérieurs, et en plus, quand c'est des points de vue extérieurs, des milliers de kilomètres, nous, on est super contents du travail qu'elle a fait. Yarod, c'est quand même assez espacé. Le nom, il vient du russe. Le nom de l'album, il vient des Grecs.
la dessinatrice, enfin l'illustratrice est japonaise. Il y en a d'autres comme ça. On va finir où? Non, mais c'est qu'on est ouvert sur un peu absolument. Non, mais tout, c'est quoi, sympa. Il y a différentes saisons. Ça vient de plusieurs endroits. C'est assez chouette, je trouve. Album, vous le prenez, il est prêt, et là vous choisissez l'autoprod. Alors pourquoi déjà ce choix, premièrement, pourquoi avoir décidé de faire la promo? Parce que vous êtes quand même appuyé sur un promoteur, on va en parler, c'est encore et toujours l'agence Singularité, décidément, entre eux et Sir Saturn, on n'arrête pas d'en entendre parler. Et du coup, pourquoi ce choix d'autoprod et pourquoi vous dirigez vers Romain pour conclure la promo de cet album? Quand on a sorti l'album, on a démarché auprès de labels, différents labels. On a été en contact avec Sur Saturn, ils étaient chauds pour sortir l'album. On était en contact également avec un label allemand qui nous ont promis, pas promis, mais nous ont... enfin bref. On a essayé de développer avec eux quelque chose pendant 6 mois et finalement c'est tombé un peu. On était un peu déçus à la fin du film. Vous vous êtes fait avoir par un label? C'est pas possible, j'y crois pas. Des labels? Non, justement, on s'est pas fait avoir. on s'est arrêté avant de. Il y a des labels malhonnêtes? Mais non. Bon voilà, on a eu pas mal d'espérance sur ce truc qui nous ont fait dire en toute honnêteté avec Sur Saturn, on leur a dit écoutez, on est désolé, on va refuser votre propos parce qu'on va se diriger vers ce label-là qui était prometteur. Très prometteur. C'est, je veux dire, quand on te cite ce qu'on nous a parlé, il y a un moment tu dis putain, ça y est, quoi, on va. Mais ils sont là pour ça, hein. Oui. Et puis à la fin, aboutit le truc où tu dis ça nous coûte payer. Super. Ouais, voilà. Alors ça ne s'appelle pas donc un label, ça s'appelle un distributeur. Quand vous en êtes arrivé au point où vous payez le pressage de votre album, vous payez votre vinyle, vous payez votre promo, en fait, vous payez tout. Donc ça s'appelle un distributeur. C'est quelqu'un qui va vous faire passer par différents listes, différents réseaux de distribution, mais ce n'est pas un label. Oui. Mais bon, le problème, c'est qu'aujourd'hui, pour les labels de base, c'est très difficile. Totalement. Pour tous les labels sont pas tous, mais il y en a pas mal qui se pètent la gueule. Et puis, il y en a encore un, j'ai appris hier qu'on avait encore un qui avait fermé d'ailleurs. Ouais, donc voilà, et puis nous à un moment là on s'est retrouvés, on s'est dit allez, on lâche la thune, quoi. Mais on s'est dit, pour qu'on le sorte pas nous-mêmes, quoi. Et aujourd'hui, en fait, dans la démarche, qu'est-ce que nous aura apporté de plus le label? À part des connexions, ces connexions, on peut essayer de les faire par nous-mêmes. Et puis justement, en utilisant une agence de promo comme l'agence Singularité, qui s'est chargée de tout ça, au final, on fait tout comme un label, mais on fait nous-mêmes, quoi. Alors certes, c'est énormément de taf, c'est pas mal de responsabilités aussi, c'est un investissement. Mais, ce que j'allais dire, il y a la prise de risque pécuniaire qui est quand même là, et ça vient de votre poche. Donc là, du coup, effectivement, le label, ce qu'il aurait pu juste vous apporter en plus, peut-être c'est ce confort pécunier, vous permettre de respirer, de ne pas injecter votre propre argent, parce que là, il y a quand même un investissement derrière. Sans vouloir rentrer dans les détails, ça vous a coûté en combien environ cet album? Mix, mastering, enregistrement, plus la promo, plus le pressage. L'idée. C'est beaucoup trop cher. Non, mais on arrive à des sommes qui sont quand même assez. On est très loin des démos enregistrées dans les années 90, quoi. Ah, c'est certain. Ouais, c'est certain. Après, la réflexion, c'était. Déjà, il y avait une grosse volonté de moi, Fabien et Enzo de faire quelque chose de bien, quoi. Donc, on n'allait pas. C'est pas évident de donner ce projet-là, quelque part, à un tiers, quoi. D'accord. Déjà, ça c'est quelque chose d'important, quoi. Faut vraiment nouer un lien de confiance. Donc, quelque part, pas simple, quoi.
quelque part, dans votre malheur, vous êtes quand même content. Vous avez produit votre album vous-même. Bah, quand c'est toi qui investis, tu prends vraiment les choses à cœur, quoi. C'est différent. Et chaque décision, elle est bien pesée, quoi. Et je sais pas, voilà, je pense qu'on peut être content de ce choix-là, parce que c'est, on est vraiment autonome, quoi. C'est aussi simple que ça. Et vous considérez ça en tant que musicien depuis plusieurs années, hein, parce que vous, maintenant, ça fait un moment que vous roulez votre boss. Hein. Vous considérez ça comme un aboutissement pour vous, de pouvoir vous permettre de trop produire votre album et d'arriver à un résultat comme celui-ci? Est-ce que c'est un aboutissement? C'est une question difficile, parce que depuis que tu fais de la musique, tu as toujours espoir et cette image. Alors, parce que peut-être aussi, on a 40 ans, on a vécu les années 90, où tu as toujours espoir de, tu sais, d'avoir le label qui te permet d'aller, de faire ci, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est un aboutissement? C'est une liberté, ça c'est sûr. C'est un aboutissement? Non, je trouve pas que c'est un aboutissement, parce que il y a toujours, je veux dire, c'est quand même, quelque part, c'est aussi malheureux, quelque part, d'en arriver où tu te démerdes pour faire un produit de qualité et que t'as personne qui peut t'aider. Parce qu'à un moment, c'est ça aussi le rôle du label, c'est aussi d'être un relais de l'artiste à l'auditeur. Et de plus avoir ce relais, et que c'est toi qui t'es artiste, donc tu composes, tu crées. Mais en plus, il faut que tu te transformes en commercial. Il faut que tu vois ce que je veux dire. Alors, est-ce que c'est un aboutissement? Moi, je considérerais pas que c'est un aboutissement, parce que c'est comme quand tu fais une baraque, quoi. Je veux dire, si t'appelles un plaquiste, c'est parce que le mec s'est posé le placo. Si normalement. Parce que le mec s'est carrelé. Il y a un moment, même moi, je veux dire, à un moment, j'arrive. Donc, ça y est, je prends commande, je sais pas moi, rien que pour les visuels, mais laisse tomber. Quand le mec, il me dit, ouais, tu sais, pour tel pantone, tout ça, moi, je suis là, putain, mais j'ai jamais fait ça, quoi. J'ai jamais fait, je me retrouve à découvrir. C'est génial, je veux dire, en termes de richesse personnelle, c'est génial, parce que j'ai découvert d'autres pans de la musique, d'accord. Et c'est pas ce que je souhaite, moi. Moi, ce que je veux, c'est prendre ma guitare et... Toi, t'es musicien. Musicien, quoi. Et je suis pas commercial, je suis pas, alors on le fait, mais je suis pas promoteur sur internet, je suis pas ces choses là alors on apprend à faire ces choses là mais c'est pas évident, et c'est un peu frustrant aussi de se dire que on fabrique notre maison nous mêmes donc à la fin, je veux dire, tu as cette fierté, tu vois, j'ai fabriqué de ton produit quand même. Et, tu vois, pendant le confinement, j'ai profité de fabriquer ma guitare. Elle est pas parfaite, mais j'en suis content, tu vois. Et parce que j'ai mis mes tripes dedans. Et là, c'est ce qui se passe, en fait. Mais par contre, tu me demandes de faire 10 albums comme ça, je te dis non, c'est pas possible. Il est pas joueur. Hein. Non. Non, mais ce qui est bien, c'est que vous êtes en train de dire que c'est véritablement des métiers. Musicien, faire de la musique, c'est un métier. Promoteur est un métier, label est un métier. Ce sont trois choses différentes et ça demande énormément de temps, d'investissement et personnel et pécunier. Donc vraiment, c'est important que vous en parliez de ça. Des compétences, c'est ça le truc. C'est que quand tu es musicien, la compétence, c'est de faire des gammes. Je veux dire, c'est pas de savoir démarcher sur les internets, comment faire ta promotion, tout ça. Après, ça s'apprend, c'est intéressant. Le 23 mars, l'album sort. Donc, on peut le trouver en CD et il y aura un vinyle un peu plus tard, parce que les magies du vinyle en ce moment, ça prend un peu plus de temps. Du coup, voilà. Donc, cet album, je me dirige vers le Bandcamp du groupe. Je passe par vous directement sur la page Facebook. Alors, on a créé un site internet, yarods.com, d'accord. Je vous mettrai les liens en dessous. Voilà, donc tu as le site internet yarods.com où tu as notre page Big Cartel, en fait, où on propose notre merchandising. Voilà, donc on peut désormais déjà commander en pré-order. Ouais. C'est parfait.
Yarod, est-ce qu'il y aura la possibilité de voir Yarod sur scène? Est-ce que c'est un groupe qui va se produire sur scène, techniquement? Ouais, ouais. Ben oui, oui, on a des dates qui sont encore en préparation, on a d'autres dates où il y a des certitudes. Par exemple, le 9 avril, on fait le Bêtise Fest à Cambrai. Ah bien! Et le 24 juin, on sera sur la scène de l'Altar au Wellfest. Donc voilà, donc ça c'est les deux quand dates. Même ça va, c'est pas mal pour un groupe qui s'est démerdé tout seul, moi je trouve. Bah l'Altar. Justement, c'est voilà. L'Altar au Hellfest, le Bêtise Fest. Alors Bêtise Fest, très belle affiche d'ailleurs, hein. Je les salue, nos amis là-bas. Là. Ils ont fait une pure affiche cette année, il y a de bons groupes. Et puis à Altar, c'est quand même pas négligeable hein, pour vous. Hein. Bah non, complètement, pour nous c'est une super opportunité, c'est l'occasion de vraiment montrer un peu. Alors, question bête, ça s'est fait comment? Eh ben, on a contacté simplement les personnes du Hellfest, ils ont cru en notre projet et voilà. Donc, tout simplement. Tout simplement, ouais. Comme quoi, il faut essayer, il faut continuer, il faut. Non, mais faut vraiment. Pas, c'est... Faut pas hésiter, quoi. Faut pas hésiter, faut. C'est impressionnant parce que c'est vrai qu'on se dit le Hellfest, voilà, c'est quand même quelque chose de. Pour beaucoup de groupes, c'est le Graal, pour être honnête. Pour beaucoup de groupes, c'est le Graal. Et pour beaucoup de groupes aussi, c'est quelque chose qui leur semble. Limite intouchable. Et là, ce que vous dites, c'est qu'en fait, ça s'est fait relativement simplement. Alors, simplement. Après, c'est nous, tout depuis le début, ce qu'on cherche à faire, c'est de présenter un projet sérieux avec un projet, vraiment un projet concret. Chaque étape, on essaie de les faire le mieux possible. Je ne sais pas si tu as pu voir, si tu as eu l'occasion de voir nos deux clips. On essaie de chaque étape de faire quelque chose de qualitatif et. Puis bon, quand on est mecs quand même qui ont baroudé dans la musique depuis un certain temps, quoi. Donc c'est ça. Mais c'est très félicitations à vous, c'est super, hein. C'est vraiment des belles choses. Hein. Donc pour ceux qui ont la chance d'avoir leur passe pour le Hellfest, donc vous verrez Yarod sous Altar, donc les ratez pas, hein, ça peut être important quand même. Et puis sinon pour ceux qui vont au Bêtise Fest, bah vous savez qu'il faudra y être pour leur passage, pour découvrir leur musique. Et pour tous les autres, bah écoutez, c'est le moment d'ouvrir vos agendas et puis de proposer des dates. Alors allez-y, open bar, faites-vous plaisir, contactez-les, ils sont sympas, ils ne mordent pas, et profitez-en pour les booker sur des salles par chez vous pour qu'ils puissent se déplacer, ça pourrait être sympa. Ouais, on a une série de dates, hein, là on attend encore les confirmations pour pouvoir les annoncer, une série de dates un peu partout. Quel mois? Mais de quoi? Bah, en fait, en gros, le Bêtise Fest, ça ouvrira le bal. Notre rendez-vous de concert, donc voilà. Donc le lendemain, on sera au Havre. Ah oui. McDay. Donc voilà. Donc puis après il y a une série de dates. Par exemple, on joue aussi à la Tabac le 14 mai, qui est une salle assez importante dans le Sud-Ouest. Donc ça va être très sympa aussi. Donc voilà, on a pas mal de. Sans préparation. Le problème c'est qu'aujourd'hui on sort d'une période difficile où c'est pas évident pour tout le monde, pour les associations qui doivent essayer de. De repartir de nouvelles, et les clubs qui ont fermé, tous les groupes qui sont en attente et qui veulent jouer, donc c'est une période très très compliquée. Ouais, c'est une période très compliquée, et heureusement qu'il y a des groupes qui jouent le jeu et qui attachent de l'importance à tout ce que tu viens de dire, parce que c'est important. Les salles aujourd'hui, c'est très compliqué. Alors, je parle des salles autogérées, les mecs charbonnent au maximum, il y en a beaucoup qui essaient de donner de bonnes choses aux groupes. Mais c'est très compliqué et ils prennent des risques énormes. Donc on espère quand même pour eux, c'est d'où l'importance, quand je le dis, je le répète, prenez vos préventes. Prenez vos préventes, quand vous voyez une date qui vous convient, prenez vos préventes. De toute façon, il n'y a pas de risque sur des salles que ça se barre avec en quenouille. Donc prenez vos préventes, s'il vous plaît, c'est très important pour les groupes, pour ceux qui font la date, et puis en fait, pour tout le monde. Donc allez-y, foncez. On mettra les liens vers vos prochaines dates ci-dessous. Bon, le Hellfest, je pense que tout le monde sait comment y aller. Enfin, là, en ce moment, ça serait comment ne pas y aller, puisqu'il n'y a plus de... Il n'y a plus vraiment la possibilité d'acheter de passe. Et puis, pour le Bêtise Fest, c'est pareil, on mettra les liens vers le festival de façon à leur donner un coup de boost aussi. C'est important.
avant le mot de la fin, je vais vous demander ce que vous écoutez chez Yarotz. Alors, en ce moment, qu'est-ce que vous écoutez chez Yarotz? Qu'est-ce qui vous parle? Alors, 2021, ça a été, ça a été l'année où on a, pour la plupart, découvert le dernier album de Turnstile. Je ne sais pas si tu connais. Vous êtes les deuxièmes à m'en parler. Hein. Ouais, c'est pas étonnant. Hein. Après, c'est vraiment une... voilà, c'est rafraîchissant comme style. Ils ont négocié le punk hardcore, on va dire, d'une manière un petit peu différente. Ils ont évolué quand même un peu après toutes ces années, mais là, ils ont vraiment abouti un truc génial. Quoi. Et on a bien bloqué dessus l'année dernière. Et puis, on attend de les voir en live. Là. On attend de voir ce que ça donne. J'en ai entendu parler. Vu les vidéos qu'on peut voir sur les YouTube et tout ça, ça va être dément, je pense. Ouais, c'est un truc qui est assez qui fait du bien en fait. C'est con, mais avec tout, c'est toute cette période très compliquée, c'est vraiment le truc quand tu mets. Tu vois par exemple hier soir justement après une longue journée de boulot, je me suis mis ça et puis voilà, ça donne un peu la patate, donc ça c'est cool quoi. Ça rafraîchit, ça détend. Ouais. Et puis ouais, moi pas mal écouté le dernier Death Heaven. Oui. Voilà, et puis le dernier, My Wolf Rundle, c'est l'album qui en ce moment j'écoute pas mal. Bah, on m'en a parlé quand de ça. Bah, je crois que c'est les mecs de Montbran qui m'en ont parlé. Tiens, comme c'est étrange, des gens qu'on ne connaît pas. Tiens, Montbran. Je crois que c'est les gars de Montbran qui m'ont parlé. Tiens, faudra que je revérifie, mais il me semble bien que c'est dans la dernière interview, j'ai mis ça aussi, Emma Ruth Rundle. Ouais. Mais on mettra de toute façon les liens vers ces groupes-là, et puis on mettra les liens aussi vers Junon, parce que mince, quand même, faut en parler. Bah ouais. Tu feras gaffe, t'as un esprit frappeur derrière toi, Fabien. Ouais, c'est un esprit frappeur de 5 ans et demi. J'ai exactement le même. Je sais, c'est terrible. C'est l'esprit frappeur de la maison. Mais donc on mettra donc les liens vers Junon, c'est important aussi. Excellent album qui est sorti l'année dernière, qui a fait beaucoup de bruit. Hein. Quand je vous avais eu en interview, on en avait parlé, mais là ça fait un monstre bruit hein, ça aussi. Bah, merci à toi John pour l'intérêt pour le groupe, et puis on invite toutes les personnes à venir nous découvrir et de suivre un peu. On essaiera de passer un peu partout en France et puis nous soutenir, on a besoin de, voilà, on est dans une période, voilà, faut soutenir les groupes français, faut soutenir les groupes en développement, et puis voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur les internets. Ouais. Et venir nous voir aussi en live, hein, parce que nous, ça fait un moment qu'on n'a pas vraiment connu de concert intense, on va dire. Et je pense que, voilà. Amenez vos enfants. Hein. Amenez vos enfants, ils sont adorables. Bien sûr. Ah, mais voilà, protégez-les. On fait de la musique de sauvage, mais bon. C'est ça qui est fort, en fait. C'est ce que je me tue à dire aux gens. On peut faire de la musique de sauvage, mais ça n'empêche pas. On a des enfants. Et puis. On a un cœur. Enfin, et on les mange, et oui, alors. Ah, toi alors... aussi, t'as ce défaut-là? Ouais, moi, je l'ai fait griller avant. C'est meilleur, hein, parce que. C'est que. Pas cuit, c'est pas bon. C'est un peu dur. Non. Alors bien sûr qu'on soit bien d'accord, ça sera retiré, on va éviter les emmerdes, parce que si je commence à dire des trucs comme ça, il y a bien un con qui va y croire, donc je vais éviter de me faire tailler. Donc du coup, bah, les gars, félicitations pour cet album, nous on a hâte de vous voir sur scène. Pour ma part, j'aurai le plaisir de découvrir votre set au Hellfest. Ok, cool. Je sais pas si je pourrais monter au Bêtise Fest, mais sûr et certain, je serai à Altar. Vous passez à quelle heure? C'est en matinée, hein. On est en ouverture, hein. Donc l'heure précise, je ne l'ai pas encore, mais c'est dans la matinée. Et bien, on sera là. On sera là, cool. C'est important. C'est important, et comme tu l'as dit, pensez à soutenir les groupes, pensez à soutenir les labels, pensez aussi à soutenir les dates, donc les préventes, passez par les Bandcamp, les Big Cartel et compagnie. Vous retrouverez tous les liens ci-dessous. Allez-y, n'hésitez pas. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, et puis je vous dis à plus pour une nouvelle interview. Allez, ciao. Merci beaucoup. Merci à toi. Salut. Ciao.